Alors voilà, c'est donc un document en flux continu, c'est-à-dire que vous avez du texte qui coule d'une page à l'autre. Quand vous prenez la flèche noire et que vous cliquez sur un des blocs, sur n'importe quelle page, d'ailleurs je vais zoomer en arrière, voilà, n'importe quelle page, je clique sur un des blocs, on va voir que normalement il y a des lignes qui apparaissent et qui relie tous les blocs pour indiquer que le texte coule d'une page à l'autre, d'un bloc à l'autre. Et en plus, on a des images qui sont insérées dans le texte. En fait, on a une image qui est insérée dans le texte. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Elle est dans le flux du texte aussi. Et donc, si je supprime du texte ou si j'en ajoute, elle va bouger. Vous pouvez tester. Vous pouvez y aller avec l'outil texte et sur la deuxième page, par exemple, sélectionner un paragraphe avec sa balise de fin de paragraphe pour bien faire. Si vous enfoncez la touche suppression, ça va supprimer ce texte et l'image qui est à droite, là, va remonter. Voilà. Si je supprime à nouveau un paragraphe, touche suppression, l'image remonte en quelque sorte dans le flux, mais elle est passée à la colonne de gauche, c'est logique. Hein? C'est un texte qui est écrit de gauche à droite. Bon, j'annule par un CTRL-Z et encore un CTRL-Z, et voilà, les deux paragraphes que j'avais supprimés sont réapparus. Je vous rappelle que quand vous êtes en train de modifier du texte avec l'outil texte pour appeler le raccourci de la main, c'est la touche Alt. La touche Alt permet de bouger le document dans la fenêtre quand on est avec l'outil texte. On ne peut pas utiliser le raccourci habituel, la barre d'espacement, puisque ça ajouterait des espaces dans le texte. Donc c'est la touche Alt pour appeler la main pendant que je suis en train de travailler avec un outil. Alors, si les lignes n'apparaissaient pas quand vous cliquez sur un bloc ou l'autre, ça peut venir du fait que vous êtes en affichage aperçu. Donc, quand on a la palette des outils en deux colonnes, c'est l'icône de droite qui permet d'avoir une visualisation plus fidèle du document, à quoi il va vraiment ressembler quand on va le sortir sur du papier, par exemple. Eh bien, évidemment, là, même en ayant les blocs sélectionnés, les lignes n'apparaissent pas. Ou alors, et là, je reviens en affichage normal, ou alors, c'est que vous avez oublié d'aller dans le menu Affichage, demander Extra. Afficher le chaînage de texte. C'est ça les lignes qu'on voit qui relient les blocs, c'est du chaînage de texte. Bien sûr, ici, vu qu'elles sont affichées, ça me propose de les masquer, ce que je ne vais pas faire. Pas de questions jusque-là?